Ce sont des aimants qui sont 28 000 fois plus intenses que le champ terrestre. Donc extrêmement même dangereux, hein, parce que si j'ai deux aimants qui se croisent, je ne peux pas les décoller, clairement. Donc, tout mon souci, c'est que mes aimants ne se croisent pas, comme dans ma chorégraphie. Donc là, déjà, on peut visualiser, pour faire ça plus ou moins bien, on peut visualiser voilà, qu'un aimant, c'est un pôle nord, un pôle sud, et puis on a des lignes de champ magnétique dans l'espace qui se referment entre ces pôles nord et ce pôle sud. Donc ça, c'est simplement une expérience très classique pour visualiser ça. Après, il y a un phénomène très amusant, c'est qu'on a montré en physique que quand on a un champ magnétique qui varie, ça peut créer un courant électrique. Et un courant électrique qui varie, un courant électrique peut créer son propre champ magnétique. Tout ça, ça peut interagir. C'est le phénomène, c'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme, tout simplement. Un exemple tout bête, voilà, une simple petite bobine, un petit buzzer. Si j'ai un champ magnétique qui est fixe, il ne se passe rien. Dès que mon champ varie, donc là, en fait, c'est mon énergie mécanique de mon bras, là, qui est traduite en énergie électrique, au principe d'une génératrice. Et plus ça va vite, plus le phénomène sera intense. Puisque j'ai un champ qui varie, ben, je suis capable de créer un courant électrique. Ben, là, j'ai deux blocs de cuivre, je vais laisser tomber mon aimant. L'aimant en tombant, il va y avoir des courants qui vont être induits dans le cuivre. Ces courants vont eux-mêmes créer leur champ magnétique qui va s'opposer à ce qui les a créés. Et donc ça freine, et ça freine. Plus je vais vite, plus ça freine. Plus je sens différemment. Là j'ai un petit banc en plastique, c'est un petit aimant. Si je fais tomber l'aimant, ben là il se passe rien de l'extérieur. Là j'ai un tube en cuivre. Même phénomène que là. Quand la bille va tomber, elle va localement créer ses petits courants induits qui vont créer leur petit chemin qui s'oppose à ce qu'il a créé. Ça fait par contre bien long. Voilà. Et si la bille change, pardon. Je peux même faire mieux, regarde. Je peux même faire ça. Ah ouais. C'est juste une pile. C'est une pile et deux aimants. Ah oui, ce sont les deux aimants qui assurent la continuité. Les cobalt samario. Et puis voilà. Les courants générés vont créer leur propre champ magnétique. Et voilà. Bonjour. Ça va bien, ce matin. Ah, lui dit stop, arrête de le pousser. C'est bon, oui, c'est bon. Bonjour, vous allez bien? Vous avez les élus politiques derrière vous, méfiez-vous. Hein. Pardon? Vous avez les élus derrière vous. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon. Ouais, ouais. Vous pouvez m'appeler David? Vous pouvez m'appeler David, là? Le président. Il est à côté. Juste derrière. Appelez-le. Monsieur le président. Bonjour. C'est virtuel. En fait, il est là-bas. Ici, mais pas. Mais tu crois qu'il est en caméra ou quoi? Il est là. On est désolé, ouais. Les pieds sont vite, coincent vite le manche. Regarde, tu vois, il est pas quoi. Regardez devant. Là, je vais voir. C'est parti. Voilà, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Oh. Pour expliquer,
avec ça. Voilà. Ça n'a pas été évident. Tout en étant ici. Vous faites partie du Sapler. Merci bien. Parce que pour moi, je suis intéressé par d'après ce que je lis, ça fait vraiment pas mal. Savoir comment on peut prendre le contact, comment on peut voir comment ça fonctionne. Ouais. Bien, on a eu. Bonjour. Présentation. J'aime bien parler de vue. Ça y est, j'ai trouvé. Thank you.